What's up, YouTube? It's me again. I'm coming back at you with another section here. So here's the cheese, y'all. As the title promises, I am gonna make a little bit of a change. Last past couple days have been a little difficult for me to be able to hop in here and relay some more stuff for you to see progress. So what I've decided to do is I've decided to release a new video once every week instead of once every day. That was a little difficult for me to keep up with. That's life, man. But I'm going to make sure that I'm keeping to my promise here. I'll be releasing something every Friday, starting next Friday, because I'm doing what I'll be doing here, in order to keep myself on track a little bit. But today what I'm gonna do is I'm gonna read chapter 2 in entirety. And at the end of each week, I will read a full chapter, depending on how long the chapter is and how far along I've come with my written aspect too. Usually they're in Genesis, they're not too particularly crazy long, but I know in other books they start to get a little longer. So I'm gonna go ahead and jump right on into it because I can. Like I said, I am only to da, 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 I'm only to 20. There's still three or four of them that I haven't even touched yet. So I'm gonna read chapter 2 in entirety in French. And feel free to follow along. Like I said, I start in 1, reading all the way to 25. I think it's 25. It's 25. Yep. So, I'm gonna go ahead and get started. So, alrighty. Annecy Furent achieves la cile et la terre avec tout les armées de ce qu'ils contentent. Les suprêmes jours. Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il s'y reposa. En ce jour-là de tous les usurves qu'ils avaient accomplis. Il bénit les suprêmes jours. Il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de tout l'œuvre de création qu'il avait accompli. And then we're at the page break at chapter 4. L'histoire des débuts de l'humanité. L'alliance d'Eden. Verse 4. voici l'histoire de ce qui est advenu à s'il est sur la terre lorsqu'ils furent créés. Et à temps où l'éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'extent encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe des champs n'y avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Des lieux s'y mit à surder et à irriguer tout la surface des sols. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière des sols. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, les plaies des délices. Il y plaqua l'homme qu'il avait façonné.
l'éternel Dieu fit poussière du sol toutes sortes d'herbes portant des fruits d'aspect agréable, des délicieux, et il mit les herbes de la vie à milieu du jardin. Il y plaqua ainsi les herbes de la détermination du bien et du mal. Du plaisir d'Eden souriant une fleuve qui erosait le Jordan. De là, il se divisant en quatre bras. Le nom du premier est Pishon. Il contenu tous les plaies de Havilah où s'est trouvé de l'or, un or d'excellente qualité. En trouvé assis dans cette contrée de l'amour perfume et la perie précieuse appelée onyx. Les deux amis fleuves s'appellent Gushan in English is Goshen, so cut me some slack here. Il parcourt tous les places de couche. Les trois amis fleuves s'appellent les tigres. Si est celui qui coulait à l'Orient de l'Assyrie. Et les quatre amis fleuves s'est les Euphrates. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le Jordan d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme mange le librement des fruits de tous les arbres de Jordan, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. D'ici-là, n'en mange pas, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme solide sur, je lui ferai une aide que soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu que avait façon de sur tous les animaux des champs et tous les osseux du ciel les fit venir les hommes pour voir comment il les nommerait afin que tu être vivant pour le nom que l'homme lui donnerait. L'homme's, okay, I'm at 20, so that's not, I'm not trying not to lose you guys, I'm just trying to zip through it here. I'm at 20 if you're following along. L'homme's donna donc un nom à tous les animaux domestiques. Domestiques à tous
Le os osius disil et et a et u enemu savages. Mais il ne trova pas died qui suit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans une profonde somnil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma le char à la plaque, à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'aima à l'homme. Alors l'homme se sacra. Voici bien cette fois celle qu'il est os de mes os, chair de ma chair, un la nommera femme, car il était près de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'y attachera à ses femmes, et les deux ne feront plus qu'une. L'homme est la femme et tous deux nus sans en éprouver aucune honte. Honte. So that was a little long. That was all of chapter 2. And what I'm probably going to be doing is hopping on here once a week. Once a week for this portion. Like I said earlier, I know I've already covered it, but I'll be hopping on just to track my progress and see how I'm doing. And like I said, if you guys get a little enjoyment out of it, that's awesome. If not, yeah, whatever. Doesn't matter to me. So if you really want to follow along, like and subscribe. But I'm not too particularly worried. So you guys have a good day, and I hope you enjoyed.